J'ai pété. Pour moi, le football, c'est comme une autre famille. Je me lève le matin parce que tu sais, c'est toutes mes chums. Fait que... Ta gueule, le gars. T'es un pif, t'es ton pick-up, ta pète. Non, quand je me lève le matin et que je sais que je m'envoie une pratique avec les boys ou faire un track, c'est sûr que c'est toujours intéressant, c'est toujours le fun. C'est toutes mes chums. J'ai toujours joué au line depuis le secondaire 1. J'ai commencé à jouer au football secondaire 1. J'ai pas appris à jouer d'autres positions. Fait que je sais pas, je pourrais pas dire quelle autre position j'aurais aimé jouer. Mais c'est sûr que quand t'es jeune, tu veux toujours être le carrière ou porter le ballon. Mais non, vu que j'étais un petit peu trop gros dans le temps, j'ai joué au line puis j'ai su m'habituer là-dedans. Puis je veux pas, c'est tombé dans mon mode de vie. Je veux pas au line, on est des personnes qui aiment beaucoup manger. Fait que aussi bien être au line, aussi bien se donner. Puis toujours faire les choses dans le plus gros possible. Manger le plus possible pour bien manger surtout. Là. Mais non, tu sais, je sais pas, moi je dis que c'est un mode de vie pour être au line, mais ça ressemble un peu à ça là, chez nous. Là. À chaque fois que je me laisse, je pense comme au line. Je vais manger, je fais mes trucs. Ben, pour moi, le football, ça représente ma vie. C'est quelque chose qui m'est très important. Je vis quasiment pour ça. Il n'y a pas une journée que je me lève pas et que je regarde pas de quoi de football ou que je passe à côté d'une affaire de football. Je me lève le matin, la télé, c'est sur NFL Network. J'arrive à l'école puis quand j'ai une pause, je regarde des vidéos de foot sur YouTube. À chaque fois que je peux m'informer du football, je m'informe tout le temps. Pour moi, le football, c'est ma vie puis c'est là-dedans que je veux finalement. Là-dedans que je veux progresser puis dans ça, je veux vivre plus tard. Très bien. Ça va bien aller. C'est sûr que je vais faire mon possible. Je vais tout faire, tout faire pour avoir un camp professionnel. Pour me rendre vraiment le plus possible, atteindre le pont. C'est mon but. Tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible. Je vais m'entourer des bonnes personnes. Puis je vais m'entourer des personnes qui croient en moi pour me rendre le plus loin possible. Toujours professionnel. Certains de mes premières années en tant que tel à être un vrai centre. J'ai joué centre à Team Québec en Saskatchewan. Ça a été la seule fois où est-ce que j'ai joué centre. Sinon, j'ai toujours été tackle. J'étais bloqueur à droite à l'entier, puis j'étais bloqueur à gauche au triad les deux dernières années. Là, on me rentre dans le centre parce que c'est pas là où je veux jouer à l'universitaire. Centre, c'est probablement une position sur la ligne qui est c'est la position sur la ligne qui est vraiment le plus. Comment je pourrais dire ça? Qui guide les autres gars. C'est lui qui arrive sur le avant le jeu, et qui score la formation, puis que s'il y a des efforts à changer sa ligne, c'est lui qui doit le faire. Fait que pour moi, un centre, c'est un leader de l'attaque avec le carrière, c'est les autres qui vont partir le jeu. C'est sûr que le carrière a une grosse job à faire là-dedans, mais le centre faut qu'il s'occupe des fronts défensifs. Et mon but, c'est d'amener les gars à donner leur 110% sur le terrain. Tous les jeux se donner. Puis il faut avoir un bon esprit d'équipe. Ça va être mon but d'amener tout le monde dans la même direction, puis de se rendre au bol d'or, puis de le remporter cette année. C'est rare que je fais beaucoup de niaiseries quand je suis sur le terrain. Kayate, cogno! Quand je suis sur le terrain, je me donne, puis je fais mes affaires. Mais en dehors, je parle beaucoup, puis j'aime m'amuser pour faire des blagues. C'est moi? Un chat? C'est nice, un chat. J'en ai deux chez nous, puis tu sais, quand je te dis que je joue dans un monde d'Olin, mes deux chats sont à base. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'un monde d'Olin, c'est ça. Fait que je les aime bien, mes chats. Puis c'est des personnes qui, quand t'arrives chez vous, c'est des petites bêtes, mais quand t'arrives chez vous, puis t'es pas bien, ou t'es triste, qu'il arrive de quoi, tu reviens, puis t'as pas eu une bonne note à ton examen, les autres vont être là, puis ils savent pas ce qui se passe. Ils vont juste te regarder, puis tu vas juste avoir le goût, genre. T'es flatté, puis genre, leur donner de l'amour parce qu'ils sont là pour toi, puis ils ne veulent pas des mauvais, des bons moments, sont tout le temps là, puis les autres, ils n'ont aucune notion de temps. C'est quoi, une équipe? C'est un rassemblement de joueurs, un rassemblement d'êtres humains, de personnes qui devraient, selon moi, viser le même but, travailler dans la même direction, puis en gros, c'est une famille. Une équipe, c'est une famille.
une deuxième famille. Quand tu rentres dans le football, c'est un travail d'équipe, tout le monde doit travailler ensemble parce que tu peux pas juste faire ta job tout seul. Faut vraiment que c'est un jeu de communication. Puis surtout faut qu'on travaille, surtout la ligne offensive, on doit travailler les cinq ensemble. On ne peut pas travailler individuellement chacun de notre bord. Parce que on le sait, si on travaille individuellement de notre bord, ça roule, ben il n'y a rien qui va fonctionner. Donc c'est pour ça que en tant qu'O-line, on doit travailler ensemble. La communication est très importante pour vraiment réaliser des blocs clés et permettre à nos porteurs de ballon ou à notre carrière de faire la passe ou de courir des villages pour aller chercher par exemple. Ouais, lui il mange puis il est gros. C'est bien un O-line. C'est quand je vous disais que mes chats c'est des O-line. Il y a lui. Il y a l'autre. L'autre fait un petit peu plus nerveux. Il s'appelle Sammy. Oui, il est plus nerveux, t'sais, il aime pas ça la caméra, tu veux voir ça, là, t'sais, il a peur de ça. Ouais, ça c'est mon chat à moi. C'est le mien, l'autre c'est là mon frère. Il est plus nerveux. Quand même baquet, tu sais. Quand même mon line. Il est rapide. Il a des bons pieds. Oui, il bouge vite. C'est quoi ça qu'elle dit, cette caméra, hein? Un peu d'envoi de chien.